Le web est un formidable outil pour une entreprise qui n'a pas les moyens d'une grande campagne de publicité. Et pour les jours précédents, quelqu'un m'avait demandé comment booster ou comment faire savoir comment faire la publicité de son entreprise ou bien comment développer son entreprise pour avoir beaucoup de visiteurs ou attirer la clientèle. Et bien voilà, ainsi la vidéo est ainsi conçue pour vous. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner. Ça ne prend pas du temps, c'est la récompense pour nous afin de vite référencer cette vidéo sur la plateforme YouTube. Top, c'est parti. Développer son entreprise, son business grâce à l'internet, voici les avantages. Pourquoi vous devez le faire ça? Pourquoi? Parce que avant d'acheter un produit ou un service, nombreux de consommateurs enquêtent sur internet. Pourquoi? Dans un contexte où la toile est devenue l'une des principales sources d'information pour les particuliers et les professionnels, un entrepreneur se doit d'être présent online. Ne serait-ce que parce que ses concurrents s'y trouvent. Avec le boom de la vidéo, des blogs et des réseaux sociaux, pour une entreprise, la question n'est plus de savoir s'il faut se doter d'un site web, mais d'entreprendre à exploiter ces nouveaux usages pour se faire connaître. À la clef, la promesse de toucher à moindre coût un auditoire dont elle n'aurait pu rêver autrement. Et pour pouvoir le faire, voici quelques raisons qui vont vous pousser à le faire. Alors, sur ANG Motivation, vivez votre passion entrepreneuriale. C'est parti. Premièrement, vous devez présenter votre activité. Pourquoi? Parce qu'il faut considérer un site web comme une fenêtre ouverte sur son activité et surtout pas comme une plateforme, une plaquette commerciale. Trop d'entrepreneurs oublient leur propre aversion pour la publicité intempestive. Sur le net, c'est un impair qui ne pardonne pas. Si quelqu'un accède à vos pages, c'est qu'il veut vous connaître. Ou plus probablement qu'il a cherché sur Google un mot qui figure sur votre site. Il doit donc y trouver un complément d'informations ciblées et de la valeur ajoutée, pas de la réclame, n'est-ce pas? Alors l'internaute est en revanche avide de taille. Sur un ton neutre, dis-lui tout simplement qui vous êtes, d'où vient l'idée, vos prestations, vos ateliers, votre atelier, les spécifications techniques, la chronique du projet. Si vous vendez un produit, montrez sur votre site ou bien sur votre réseau le ou les angles en photo, en vidéo. Donc, plus le visiteur envoie, y compris s'il s'agit d'un bar, d'un restaurant, meilleurs seront vos chances d'en faire un client, vous voyez, pour convaincre le challenge et éviter les témoignages dithyrambiques. Mais mentionnez vos réalisations passées et les clients satisfaits, vous voyez, ça booste les nouveaux venus à venir acheter chez vous et à vous suivre de temps en temps. Et par ailleurs, n'oubliez pas de dédier un espace à la presse. Ou bien de mentionner vos coordonnées postales et d'offrir aux visiteurs le moyen de vous contacter. Ainsi dit, vous devez aussi vous faire connaître. Beaucoup de PME, petites et moyennes entreprises, qui en attendaient des retombées mirifiques, ont pu se rendre compte que sans visiteurs, un site internet n'a pas d'intérêt.
Or, la visibilité d'une vitrine web est nulle, hormis des rares personnes qui saisiront directement son URL ou son nom sur un moteur de recherche. Sitôt en ligne, il faut donc le faire savoir au monde, idéalement assisté d'un expert de référencement, car c'est un art difficile et changeant. Il est indispensable de déclarer l'existence de son site aux nombreux moteurs et URL qui existent sur la toile. Cela commence par Google, Yahoo, DMOs, mais ce n'est qu'un petit pas. Au passage, notez qu'un investissement minime en publicité sur Google peut sensiblement accélérer l'indexation de vos pages dans le moteur roi, ouais, parce que le moteur le plus référencé sur l'internet, c'est Google. Donc l'enjeu est de tomber dans le panier des clients potentiels, mais aussi de récolter un maximum de liens vers votre site, car c'est à leur nombre que les moteurs de recherche évaluent par pertinence et lui attribuent un rang parmi les résultats. Aussi, vous devez vous poser en tant qu'expert. Être identifiable comme exerçant une activité est une bonne chose. Être identifié comme un gourou ou encore mieux, or accéder à ce statut n'est pas si compliqué, notamment en matière de service. Pour y parvenir, il faut apprendre à donner, c'est-à-dire à partager son savoir-faire et le faire savoir en accolant un blog à un site vitrine, une chronique qui traite des actualités du secteur, de ses analyses, de ses expériences, autrement dit en rendant public la vie de son entreprise et sa propre veille concurrentielle. On a toutes les chances d'attirer du public choisi. Techniquement, l'investissement est mineur car nombre de solutions gratuites permettent de telles publications, et en termes marketing, c'est un atout décisif si votre parole fait autorité et simplement existe sur le net. Votre crédibilité est assurée. Hélas, il ne suffit pas d'écrire ou de partager des ressources pour émerger de Google et se faire connaître. Vous devrez relayer vos publications le plus largement possible sur les sites de référence sans jamais oublier de signer et de glisser un lien vers votre blog. Il faut répondre aux questions des forums, hein, proposer gratuitement vos contributions en tant qu'expert aux médias de premier plan. Vous devez aussi jouer de votre réseau social. Il n'est pas de vecteur plus efficace que le bouche à oreille pour gagner des clients. Et un bruit peut se répandre très rapidement online à ce titre. Même un réseau social grand public tel que Facebook présente un intérêt majeur pour votre activité. Famille, amis et contacts plus distants peuvent en effet relayer une information, et afin d'éviter que votre vie privée n'interfère, utilisez un compte distant pour évoquer vos actualités professionnelles, animez régulièrement cet espace en restant pertinent sans en faire trop. Dans ces conditions, les amis de vos amis pourront devenir des clients ou des pourvoyeurs d'affaires. Veillez cependant à ne pas vous disperser. Vous êtes en quête de contacts ciblés, prospects ou prescripteurs. En multipliant les amitiés à outrance, vous risqueriez de crouler sous des messages sans intérêt, voire nuisibles à votre crédibilité. Et aussi, il faut aussi abuser des réseaux pro, via des réseaux comme LinkedIn, via Deo. Rétablissez le contact avec des anciens collègues. Il est probable que vous évoluez toujours dans les mêmes sphères et ils pourraient vous ouvrir des portes sur votre profil. Mettez l'accent sur votre nouvelle activité et pointez vers votre site. Toujours le faire ainsi. Tâchez aussi de vous rapprocher des associations et lobbies sectoriels très actifs sur le net, et surtout fréquentez leurs rendez-vous pour en savoir davantage. Et pour cela,
Notez bien que les contacts virtuels n'ont d'intérêt que si vous les transformez en chiffre d'affaires. Et aussi, vous devez faire le buzz en vidéo. Pour qui vise le grand public, l'Internet offre l'opportunité de communiquer massivement pour presque rien, sinon un caméscope qui se tienne. Genre, vous faites des vidéos en live ou bien en direct ou encore enregistrer des vidéos que vous allez mettre en ligne, bien sûr, qui parlent de ce que vous faites. Puisque les grandes marques et les agences de communication ont bien compris, en s'appuyant sur YouTube ou Dailymotion, on peut atteindre des millions et des milliards de consommateurs sans débourser, sans dépenser de l'argent, à condition de bien sûr d'avoir une bonne idée. Pour une campagne virale réussie, l'humour ou le sensationnel sont incontournables. L'idéal, c'est de mettre en scène sa marque de façon amusante, et qui ne laisse aucun doute quant à l'apport du produit ou de la prestation. Ainsi, sur le papier, chacun peut s'offrir l'équivalent d'un spot télévision, mais soyez circonspect parce que la mémoire du web est sans faille et ne pardonne pas les fautes du jour. Donc voici en gros ce que vous pouvez faire pour développer votre entreprise, votre activité sur Internet. Et ça, grâce à l'Internet, vous avez l'ouverture, vous avez largement d'espace pour toucher des potentiels clients et pour accroître votre productivité. Et si la vidéo vous a plu, je vous prie de vous abonner et à la prochaine vidéo. Merci.